Bonjour, un bon café au saut du lit et je suis en pleine forme pour cette courte vidéo. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous solliciter. Si vous voulez bien aider ma chaîne, ma petite chaîne libre et indépendante, je vous invite à vous abonner. Merci. Bientôt, les Jeux Olympiques. Et vous êtes de ceux qui allez participer de plus près aux événements en vous rendant sur un site olympique ou sur un site paralympique et peut-être même sur plusieurs sites. Un rappel, vous aurez certainement envie d'acheter un souvenir, une boisson, un encas. Eh bien, vous aurez automatiquement besoin d'une carte Visa pour régler vos achats. Oubliez votre carte Mastercard ou votre carte American Express. J'ai vu des vidéos sur YouTube, certains crient au scandale en faisant des grands moulinets en l'air. Ça ne servira à rien. Ce n'est pas nouveau, ça ne date pas d'hier. Le Comité olympique international a signé un partenariat exclusif avec Visa. Il vous faut donc, si vous ne voulez pas payer en espèces, une carte Visa sur les sites olympiques et paralympiques. Alors, c'est sans doute le moment de devenir client de Débloque. Débloque. Deblock. Une nouvelle néobanque française. Cocorico, c'est le moment d'entamer la Marseillaise. Oui, je pense que c'est bien d'être cocardier. Une néobanque française. Immatriculée à Lille, chez nos amis si sympathiques, les ch'tis. Débloque arrive sur le marché. Je me suis inscrit sur liste d'attente. J'ai fait une petite vidéo là-dessus, je n'y reviens pas. Vous allez me dire une liste d'attente. Mais c'est pas grave, une liste d'attente. Il faut savoir être patient. La flamme olympique va arriver très prochainement en France, à Marseille. Et les athlètes, ils patientent eux aussi avant d'entrer en piste, d'entrer sur les différents stades, dans les piscines. La patience, c'est une vertu. Avec des blocs, vous pouvez avoir une carte Visa gratuite. J'ai bien dit gratuite. 0 €. Alors, pourquoi ne pas essayer? Vous pouvez également, pour ceux qui veulent plus de confort dans l'utilisation, choisir l'offre premium à 14,95 €. Mais l'offre standard me paraît très intéressante pour débuter. Débloque. Vous allez me dire, une néobanque, une de plus. Ah non. Débloque, c'est une grosse nouveauté. En effet, Débloque, c'est l'alliance entre un compte bancaire et une carte Visa et un portefeuille de crypto-monnaie. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir un portefeuille de crypto-monnaie, bien évidemment. Vous pouvez être client des blocs et utiliser votre compte bancaire et votre carte bancaire sans avoir de crypto-monnaie. Mais le gros atout de des blocs, c'est que vous pouvez avoir au sein du même établissement bancaire un compte bancaire avec des devises comme l'euro et aussi votre portefeuille de crypto-monnaie dont vous êtes réellement propriétaire puisque vous en possédez la clé. Ce qui n'est pas le cas de sites comme Revolut où vous pouvez acheter des crypto-monnaies mais sans en être le réel propriétaire. Débloque, c'est donc une opportunité, une vraie nouveauté sur le marché des néobanques.
Voilà, c'était une petite vidéo. Je conclurai donc en vous disant que, avec des blocs, soyez à l'aise dans les starting blocks. Au revoir, bonne journée.